Devinez ce que je vais faire. Je vais chercher un café. Il y a mon frère, ma soeur et mon cousin qui sont encore en train de dormir. Enfin, qui se réveillent doucement. Et moi, je suis réveillée déjà depuis une demi-heure. Donc, j'ai envie de boire un café. J'y vais tranquillement. Il y a des dosettes dans la chambre du Airbnb. Mais on n'a plus d'eau potable. Je vous montre le chemin. C'est trop mignon. Seule dans le café, il n'y a personne. C'est hyper agréable. J'aime trop. Elle est pas froide du tout. Parce qu'en fait, quand tu débarras dehors, c'est bizarre, mais je jure. Ça veut dire que si, quand même, elle a à peu près. Genre 4h, 5h. Oui, 4-5h, c'est parfait, ouais. On passe l'après-midi là-bas. C'est ça. C'est trop, trop bien. Mmh. Incroyable. Tu vas prendre quoi, Edouard ? 3 pancakes, saucisse, œufs et un jus de mangue. Avec un plateau de fruits. C'est juste simple. Des fruits et pas et des gaufres. Des pancakes et des sausages. J'ai jamais vu une eau aussi chaude. J'ai l'impression qu'on est dans un bain. Franchement, je pense qu'elle doit être à 28. 28 ou 30 degrés là. Alors, vous pensez quoi de cette merveille du monde ? Elle est très très belle. C'est beau ? Ouais, c'est beau. C'est fou de se dire que ça a été fait il y a... Laura ? Oui, j'ai vu. Marie, tu penses quoi de cette merveille du monde ? Moi je trouve que... Mais c'est des souvenirs, wesh. En fait, c'est pas si impressionnant, mais quand on pense que ça a été fait en 600 après Jésus-Christ, là, tu vois, on se dit quand même que c'est quelque chose. Il y a quelque chose. Ouais, ça dégage quelque chose. C'est un documentaire ou... Dimitri, toujours pas de photo ? Non. Je prends un touriste comme vous. Pas de paparazzi pour lui. Pas un touriste comme vous. Hein ? Tu vis, hein ? Vivre pour les caméras, là. Non, là, t'es bien. Bah, c'est un vlog, là. Je pense que c'est bon. Ouais, je pense aussi. Ok, j'ai coupé. Putain, j'ai cher. Muchas gracias. C'est trop trop beau. On s'est pris une averse là. Il s'est mis à pleuvoir d'un coup et on s'est acheté des ponchos et une minute après il pleuvait plus. Ça nous a pas servi à grand chose pour le moment. Eratum, le poncho a bien servi. Oui, mais du coup, notre petit Airbnb. Je sais pas, moi j'en ai une en tête là, mais je sais pas si ça va avec la pyramide. C'est Floating in the Rain. Thank you.
resto, c'est juste là. Je sais pas si c'est lui, faut vérifier. Pork, beef and sweet. Ok. C'est hyper coloré. J'aime trop l'ambiance de la ville, les gens sont super gentils. C'est une ville beaucoup plus typique que Holbosch, où on était au début du séjour, parce qu'Holbosch, c'est plus une île huppée, luxueuse. Les prix sont beaucoup plus élevés qu'ici, c'est super touristique. Enfin, l'île, ça fait vraiment, elle est vraiment là pour les touristes et on le ressent à Holbosch. Je trouvais que ça manquait un peu d'authenticité. Navré pour ma tête, hein. Je ressemble à rien pendant ce voyage, je suis en mode nature peinture. Là on se dirige vers le cénote Zassi, je sais pas si ça se prononce comme ça. Un cénote qui est dans la ville, qui est intramuros, donc c'est ouf. Apparemment il est vraiment très beau et il y a moins de monde que dans les cénotes autour. Donc on va déjà aller voir celui-là. On y va doucement parce que là on a trop vite glissé. On va partir pour le deuxième cénote. Quand il m'a donné un coup d'oreiller. On va partir. Je peux pas parler. On va partir pour le deuxième cénote. C'est Oxman. Ça fait 4 ans. Oxman, je sais pas comment ça se dit. C'est la première fois du séjour que j'ai fait une skincare. J'ai mis des boucles d'oreilles, je me suis épilé les sourcils, je me sens beaucoup mieux. On va aller manger et ensuite on va aller au marché artisanal parce que ma soeur aimerait acheter encore des souvenirs. Et d'ailleurs, il faut absolument que je vous montre ce que j'ai acheté hier moi. J'ai déjà montré sur Insta en story, mais il faut absolument que je vous montre parce que c'est incroyable. Mais je pense que je ferai ça demain matin. Adios, gracias. On a super bien mangé. C'est une chaîne en fait, ça s'appelle Burrito Amor. C'était trop bon et en plus le cadre était magnifique. Il y avait une petite boutique et tout, trop stylé. BK, on va prendre des sundaes, c'est le deuxième de la journée. Parce que c'est les meilleures places. Ouais, sundae vanille, sans nappage. Hello les gars, il est 7h30, ça fait 1h30 que je suis réveillée déjà. Je me réveille super tôt, vers 6h, Prince couche tôt aussi. Il y a un café qui est ouvert là, j'ai envie d'aller me poser 30 minutes, 1h. Et ensuite je vais revenir ici pour boucler ma valise. Parce qu'on va prendre le bus de 13h pour aller à Toulon. Je ne montre même pas l'état dans lequel est l'appartement parce que j'ai mis des affaires partout. Et je voulais aussi vous montrer ce que j'ai acheté au marché, mais je sais pas si j'aurai le temps. Au pire je le ferai à Toulon. Thank you.
bienes, los minerales.